Lève-toi, tout le monde debout, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, que ton esprit m'anime, que ton esprit travaille en moi, agisse dans ma vie, que ton esprit me rende ministère ce matin. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Au tabou, Seigneur Jésus le vivant, Jésus le ressuscité, que ton esprit m'anime, me rende ministère, agisse en moi ce matin. Ouvre ta bouche et parle. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut servir Dieu. Seigneur Jésus, je te prie que ton bon esprit, ton Saint-Esprit, m'anime ce matin, agisse en moi ce matin, me rende ministère ce matin. Seigneur Jésus, que ton esprit travaille en moi dans le nom de Jésus. Amen. Je peux entendre ta voix dire amen. Je veux entendre ta voix. Amen. Frère, dis esprit de lumière, éclaire-moi ce matin. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, esprit de lumière, éclaire, éclaire, éclaire-moi. Éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. C'est par ta lumière que nous sommes éclairés. Éclaire-moi, 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 éclaire-moi. Éclaire-moi. Esprit de lumière, éclaire-moi ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prends ta Bible, amen, comme ça. Prends ta Bible, amen. C'est Bible qui t'aide dans la main. Prends ça. C'est Bible qui t'aide dans la main. Ça y est. Seigneur, voici ta parole. Dis ça bien avec conviction. Seigneur, voici ta parole. C'est la vérité. Je crois en elle. Par elle, parle-moi ce matin. Donne-moi ton esprit pour pratiquer ce qui est écrit au nom de Jésus. Donne-moi la foi pour vivre, expérimenter ce qui est écrit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais terminer ce que j'ai commencé sur les uns et les autres. On va retourner en arrière. C'est très, très important. Dieu est préoccupé par le type de relation que ses enfants ont les uns avec les autres. J'ai dit que l'église n'est pas un ramassis. C'est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. Et Dieu a prescrit le type de relation que ses enfants doivent avoir les uns avec les autres. Je l'ai appelé le code de vie de la famille de Dieu. Ou le code de vie dans la maison de Dieu. Il y a deux choses dedans. Ce que Dieu a ordonné de ne pas faire les uns avec les autres ou de faire les uns avec les autres. C'est une exigence pour nous si nous sommes de cette famille-là. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas être dans la maison de Dieu et nous soustraire à ça. Donc nous ferons bien d'ouvrir nos cœurs à ces choses. Et si ce n'est pas encore comme ça pour nous, frère, demandons l'aide de Dieu pour pratiquer ça. Sinon, tu serais un mauvais élément dans la maison. Un trouble fait dans la maison. Et je ne souhaite pas
qu'il en soit ainsi pour toi. Parce que personne avec l'Esprit de Dieu en lui ne peut vivre dans sa maison comme un tout bouffette. S'opposer à ces choses, c'est être un contradicteur. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas l'habitude de contredire les choses. Alléluia. Amen. Alors frère, j'ai dit, je ne veux pas retourner en arrière. Nous sommes en train de parler des choses que nous devons faire les uns pour les autres. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va continuer directement. Nous devons être bons les uns envers les autres. Dieu ordonne que ses enfants soient bons les uns envers les autres. Nous devons pas être méchants envers notre frère. Nous devons être méchants, cyniques, méchants envers notre sœur. Ça veut dire que nous ne sommes pas de la même famille. Alléluia. Lisez-moi Ephésiens chapitre 4 verset 32. Ephésiens 4, 32. Oui. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frère, c'est un commandement. Ce n'est pas un avis. Si tu ne fais pas ça, tu es dans la désobéissance. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants les uns envers les autres. Et pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Frère, sois bon envers ton frère. Sois bon. Ne sois pas cruel. Non, cruel, cruel. Mais cruel, méchant. Personne ne peut être cruel, méchant avec l'Esprit de Dieu en lui. Soyez bon les uns envers les autres. Autre chose, on ira rapidement. Alléluia. Amen. Nous devons nous soumettre les uns aux autres. Ephésiens 5, 5. Verset 21. Amen. Nous devons nous soumettre les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ. Frère, regardez. Vous les deux pasteurs, levez-vous. Amen. Amen. Là où vous êtes là, normalement, dans la hiérarchie de ce ministère, c'est lui l'aîné et c'est lui qui vient après. C'est obligatoire. Si le pasteur Crésus connaît ce verset-là, nous soumettons absolument au pasteur Dominique. Mais maintenant, ça c'est dans le ministère. Mais dans la fraternité, Dominique aussi doit se soumettre au pasteur Jésus. Dominique le souhaite dans la de Bordeaux. Simplement, ne vous opposez pas les uns aux autres. Frère, deux enfants de Dieu. Deux enfants de Dieu. Qui s'opposent les uns aux autres, c'est un danger. Mais on voit ça tellement dans l'église. Prenez deux frères et mettez-les ensemble pour faire quelque chose. Rapidement, l'opposition vient. Personne ne veut travailler avec la vie de l'autre. Personne ne veut accepter l'autorité de l'autre. C'est un danger. Et vous savez, ça freine le ministère. Si vous ne vous soumettez qu'à moi, si vous ne vous soumettez qu'à moi, ou qu'à nous, et vous ne vous soumettez pas les uns aux autres, vous ne pouvez pas travailler ensemble et vous allez
vraiment retarder l'œuvre. Vous allez retarder le travail de Dieu. Parce que chaque fois qu'il va falloir être ensemble pour faire quelque chose, l'opposition, la contradiction va être là. Frère, il y a un livre que j'ai lu, l'autorité spirituelle. Normalement, c'est un livre au programme pour les étudiants de l'Institut biblique. Ce n'est pas l'autorité du chrétien. Nous aimons ça. L'autorité du chrétien, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée dans le. Ce n'est pas ça. Je parle de l'autorité spirituelle. Watchman a dit dans ce livre. Quand deux chrétiens se rencontrent, automatiquement, si nous comprenons l'autorité spirituelle, chacun doit savoir qui est soumis, qui doit se soumettre à qui ici. Mais le qui est responsable devant qui ici? Mais nous comptons. Mais dans ce cadre, la Bible dit, ne vous opposez pas les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Dans la crainte de Dieu. Frère, celui qui a la crainte de Dieu ne va pas s'opposer à son frère. Quand on s'oppose les uns aux autres, ça dénote notre manque de crainte de Dieu. C'est une indication que nous servons Dieu dans la chair. Parce que c'est notre moi qui ne veut pas se soumettre à quelqu'un. Frère, je veux dire à quelqu'un, tu n'es rien que Dieu n'a fait de toi. Soumets-toi à ton frère. Soumets-toi à ta soeur. Soumettez-vous les uns aux autres. La Bible dit que chacun de vous regarde l'autre comme étant au-dessus de lui. Regardez comment moi je vis avec vous. Je vous donne un exemple. Vous parlez. Moi, ce que je décide de faire, il m'arrive de laisser ça tomber et de faire ce que vous vous dites. Je vous donne un exemple. Frère, normalement, écoute, dans d'autres ministères, vous êtes tenu, ce n'est même pas dans d'autres ministères, selon Dieu, vous là, vous êtes tenu de me suivre. Mais la Bible dit également que les projets échouent faute d'un grand nombre de conseillers qui délibèrent. Le projet échoue faute d'un grand nombre de conseils qui délibèrent. C'est pourquoi malgré que je sais ce que je veux faire, j'écoute vos avis, j'écoute vos conseils pour faire quoi? Pour délibérer. Frère, descend. Parce que si tu es humble, ce serait facile pour toi de te soumettre à ton frère. Et frère, ce qui est plus difficile pour nous, c'est de nous soumettre à quelqu'un que nous pensons plus petit que nous. Frère, alléluia. Amen. Écoute-moi. Jésus est dans ton frère. Il est en toi. En te soumettant à ton frère, tu te soumets à Jésus-Christ. Tu te soumets à la parole de Dieu. Tu te soumets au Saint-Esprit. Frère, c'est l'immaturité. Je prie que cette année-là, parce que ça fait partie de la transition, passer de l'immaturité à la maturité, c'est une transition. C'est une transition. Frère, là, si 2021 va être pour nous une année de transition globale, ça veut dire quoi? Là où Dieu 2021 nous a trouvés, on ne doit plus terminer l'année là. Amen. Tu dois changer de niveau. Amen. Tu dois changer de place. Tu dois changer d'état. Tu dois changer de condition.
Ce n'est pas seulement dans les choses de la vie, mais dans les choses spirituelles, tu dois aussi connaître la transition également. En 2021, soumettez-vous les uns aux autres. Ne vous opposez pas les uns aux autres. Vous allez voir des manières. Parce que ce n'est pas moi. Parce que ça ne vient pas de moi. On veut déranger ça. On veut déranger ça. Frère, ce n'est pas chrétien. Dans les partis politiques, on peut voir ça. Mais pas à l'église. Je vous ai dit, pour les ouvriers, les réunions des conducteurs spirituels, j'ai parlé de la philosophie de ce ministère. Dans ce ministère, ce n'est pas qui a fait, mais est-ce que c'est fait? C'est ça. Et vous devez savoir ça, vous les ouvriers. Vous à qui Dieu a fait la grâce de travailler à son œuvre, vous devez savoir ça. Ce n'est pas qui a fait. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est bien fait? Ou qu'est-ce que je peux faire pour que ce que mon frère est en train de faire soit bien fait? Et je le fais dans un bon esprit. C'est ça le chrétien. Amen. Et maintenant, même si on ne me confie pas ça, et on a remis ce confié à Dominique, et je vois qu'il peut faire quelque chose dedans, pour que ça finisse. C'est ça le chrétien, c'est pourquoi nous sommes là. Amen. C'est ça l'esprit de Christ, c'est ça l'esprit de service. Ces choses-là, si tu peux mettre ça en pratique, tu seras agréable à Dieu et tu auras le bon sens devant les hommes. Tu seras agréable à Dieu et les hommes vont apprécier ta sagesse. Amen. Amen. Nous sommes là. Mitofia. Amen. Amen. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Éphésiens 4, 32, on a lu ça tout à l'heure. Relisez rapidement. La deuxième personne, tu prends Colossiens 3, 13. Soyez bons les uns envers les autres. Si tu es bon envers ton frère, tu vas lui pardonner. Compatissant. Oui. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens. 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Et si, ça veut dire que ça peut arriver. Ça peut arriver. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Nous ne devons pas végéter dans les plaintes. Il y a un autre passage qui dit de ne pas se plaindre les uns les autres. S'il arrive que ton frère te fait quelque chose, il peut t'amener à te plaindre, pardonne.
Soke. Tchonye. Écoutez, bémile mon baïnewa. Vous n'offensez pas. Ne faites rien. Vous êtes prana comme ça. Mito prana le. Vous n'offensez jamais. Mais Jésus, au les un Jésus né. Tu es devenu Jésus. Amen. En tout cas, je m'efforce pour lui ressembler. Quand il sera là, lorsque mes yeux le verront, je serai comme lui. Mais je ne suis pas encore comme lui. Mais je m'efforce pour lui ressembler. Ressembler à Jésus, c'est laisser l'esprit de Jésus nous animer. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait et Jésus te pardonne tous les jours? Un jour, Pierre s'est levé. Parce qu'il a dit que, mais c'est trop facile. C'est trop facile cette affaire de pardon là. Et il a dit au Seigneur, moi je veux savoir combien de fois je dois pardonner à mon frère chaque jour. Quand tu nous dis pardonner, c'est trop facile cette affaire. Les gens vont voir que je suis bête. Les gens vont voir que je suis bête. Frère, plus tu meurs à toi, tu vas ressembler à un bête. Plus tu mûris spirituellement, tu seras bête. Mais ce n'est pas que tu es bête, c'est les gens qui pensent que tu es bête. Ce n'est pas que tu es bête, mais les gens pensent que tu es bête. Il dit, je veux comprendre cette affaire. Combien de fois je dois pardonner? Jésus lui a dit 70 fois 7 fois. Par jour. Ça fait combien? 490. Oui, 490. 70 fois 7, 7 fois 7, 49. Ça fait 90. 400. Écoute, qui peut t'offenser 490 fois par jour? Mais 490 fois. Qui peut? Mais oui. Amen. Amen. Combien de minutes il y a dans une journée? Tu as dit que tu es au 15 et au commun. Une heure, ça fait 60 minutes. Fois 24. Ça fait combien? 60 fois 24. 240 fois 6. 3000. Ah, et sous le temps. Et sous. Alléluia. Alléluia. Mais écoute-moi. Personne ne peut t'offenser comme ça. Ça veut dire simplement, qu'est-ce que je veux dire? Chaque fois qu'on te pardonne, le pardon est. Chaque fois qu'on t'offense, le pardon est obligatoire. Point. Mais ne peux pas m'agacer, caca, il baigne, mais que le pot. Et ben, pour nous être, vous ne pouvez pas nous être, vous n'avez pas un bref. Frère, j'ai lu quelque chose. Et Dieu m'a donné la révélation divine de ça. Et c'est ça qui conditionne ma vie avec les gens. Je vais te lire ça. Et je prie que Dieu te donne aussi la révélation de ça. Amen. Matthieu 5, 23. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. On va aller rapidement. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et quand là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et va d'abord faire la paix avec ton frère. Frère, Dieu est plus préoccupé par la relation qu'il y a entre ses enfants plus que l'offrande que nous lui donnons. Nous, quand tu tiens ton vieux, ton lait, tu nous venons à dire que nous avons des minons. Frère, nous allons donner tout à l'heure. Mais il y en a, Dieu ne va pas accepter ton offrande. Tu as donné à l'église. Mais Dieu ne va pas accepter ça. Pourquoi? Il y a quelque chose en ton frère. Un nuage qui est là et que tu ne veux participer. Et Amadjona dit astrologue. Écoutez,
C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Là, là. C'est tu reprends. Vite. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord. Amen. Ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas tu as quelque chose contre lui. Tu as remarqué que mais notre relation n'était pas comme ça. Mais pourquoi mon frère est devenu comme ça? Frère, ne donne pas l'offrande. Mets l'offrande là à côté ici. Va voir ton frère. Alléluia. Amen. Et dit, mais frère, pourquoi tu es devenu froid envers moi? Et toi, tu as fait un peu de temps. Pourquoi? Et toi, tu es. Tu seras grand aux yeux de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Si tu le fais, tu seras grand aux yeux de Dieu. Lui il peut voir que oh, c'est lui-même qui est venu. C'est lui-même qui est venu. Quand je l'ai fait jusqu'à. C'est lui-même qui est venu. Frère, laisse-le. Ouais. Parce que je nous connais. On vous connaît. On se connaît. Quand je l'ai fait jusqu'à. C'est lui-même qui est venu. Frère, sois bête. Fais-moi ça. Moi là, fais-moi ça. Fais-moi ça. Si je remarque, je vais te dire ça. Tout le monde me connaît. Je ne peux même pas dormir avec ça. D'abord, écoute, quand ton cœur est dur, tu viens à l'église, tu remarques qu'il y a quelque chose entre toi et ton frère. Ton cœur est dur et tu adores Dieu avec ça. Ha! Hé! Tu adores Dieu avec ça comme ça. Tu es religieux. Si c'est non, oui. Tu es religieux. Si c'est non, oui. Si tu adores Dieu par l'esprit, le Saint-Esprit va te convaincre pour dire ce n'est pas l'offrande là que Dieu cherche. Dieu cherche ta bonne relation avec ton frère. C'est pas l'offrande. Sois béni, mon frère. Frère, je préfère quelqu'un qui renferme même la mienne. Je sais que ça ne va pas. Ça va vite m'aider à aller vers lui pour dire que c'est qu'il ne va pas. Mais il y en a, ils sont experts dedans. Leur visage est normal. Ils rient avec toi, mais leur cœur est contre toi. C'est un danger. Tu n'es pas un chrétien. Renferme la mienne. Montre à ton frère que ça ne va pas. On s'embrasse avec la guerre dans le cœur. C'est Judas qui a embrassé son pasteur avec la trahison dans le cœur. Ne m'embrasse pas. Quand tu sais qu'il y a quelque chose que tu as contre moi, je saurai rapidement qu'il y a quelque chose et moi je viendrai vers toi pour régler ça. Parce que je connais ça. Ne m'embrasse pas. Ma classique en ami blo. Ya ou n'y l'on coume bonaya ou n'y l'on. Refrain la mine. Quand je ris, ne ris pas. Ni con ma coblo. Je saurais que ça ne va pas. N'y l'on dans la maille, Kandi. Ne cachez pas ce qui se passe en vous. N'y l'on dans la maille, Kandi. Montrez ça. Midohia.
Montrez ça. Mais dohia. Ça va aider ton frère à savoir que ça ne va pas. Et na gualo na no vitu ebo na nyue don. Comment il peut réaliser que tu as quelque chose contre lui si toi tu es un expert pour casser les choses? Na wa ka na nyue don. Adon de ta. Tu caches bien. Tu sais cacher ça. Anyo de no ze le hulado. Wenu ya yi ganto nu ze hulame. Ou bien parfois, on sait que la personne a quelque chose contre nous. On ne lui dit pas, mais on commence à dire ça partout. Pourquoi? La Bible dit, si ton frère t'a offensé, va vers lui. S'il ne t'écoute pas, appelle les responsables de l'église et pose le problème. S'il n'écoute pas encore les responsables, considère-le comme un païen, parce que c'est un païen qui refuse la paix. Un païen. Matthieu chapitre 18. C'est un païen qui refuse la paix. Ouais. L'église doit être un endroit où les gens auront envie de rester. L'église. L'atmosphère à l'église doit attirer les gens du dehors. Si nous pratiquons ces choses. Autre chose, nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons. Amen. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, chapitre 5 plutôt. Jacques, si vraiment t'attends. Amen. Commencez par le verset 13. Laissons y ramer, oui, attends. Vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. S'il y a quelque chose que les chrétiens doivent faire les uns pour les autres, plus que tout, c'est prier les uns pour les autres. Frère, moi j'ai besoin de tes prières. Prie pour moi chaque fois. Amen. Amen. Prie pour moi. Prie pour ton frère. Prie pour l'église. Alléluia. Amen. Et si nous nous aimons les uns les autres, ton, le fardeau de ton frère deviendra ton fardeau. Agban, et tu vas prier pour ça. Alléluia. Amen. Frère, on va aller rapidement. Mina, amen. Amen. Maintenant, nous allons aborder le deuxième aspect, ce que nous ne devons pas faire les uns pour les autres. Je n'ai pas tout dit. Hein. Il y en a que j'ai laissé. J'ai dit juste les principales choses. Ce que nous ne devons pas faire les uns pour les autres. Amen. 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 Nous comptons. Nous ne devons pas nous haïr les uns les autres. Lévitique 19, 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Amen. 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 Nous allons tous dit ça ensemble. Levons-nous. Quand je vais dire au nom de Jésus, tu diras, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. C'est un commandement divin. La Bible dit que celui qui est son frère est meurtrier. Dans son cœur, ce n'est pas que tu as même posé des actes.
d'animosité. Mais dans le cœur, là, tu ne veux pas le sentir. Tiens, maîtrier. C'est très, très grave. Vous allez voir, même sur le visage de certaines personnes, on remarque la haine. C'est bizarre. Au nom de Jésus. Non, quand je dis au nom de Jésus, tu vas dire, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et ici, j'ai expliqué un peu ce que c'est que la haine. La haine. Amen. Amen. C'est un sentiment de forte répugnance envers quelqu'un ou quelque chose. C'est un sentiment de forte répugnance envers quelqu'un ou envers quelque chose. Haïr, c'est détester. C'est avoir de la répugnance pour quelqu'un. Ne pas vouloir sentir quelqu'un. Frère, tu es condamné. Parce que Dieu nous a sauvés, nous a mis dans un même corps. Il n'y a rien que tu peux faire pour séparer ton frère de toi. Dieu t'a imposé ça. Écoutez. Amen. Tes frères, c'est toi qui as choisi ça. Abel, là, c'est vous qui avez choisi. On s'est vu seulement dans la maison ensemble. Dieu nous a imposé ça. Tu vois, ouais, donc, t'entends, ouais. Dieu m'a imposé à toi. Tu vois, ouais, donc, t'entends, ouais, quoi, y a quoi, non, quoi. Si tu me coupes, tu peux mourir. Adam, il y a 100 l'autre, tu sais. Et garçon, bah, ça leur complète un coup. Il y a 100 misères, tu peux, Adam, coup. Si tu coupes ton bras là, ça peut t'amener à la mort. Oui. C'est un mystère. Nous bibéwe. C'est un mystère. Nous bibéwe. Frère, alolo, le doigt là, qui fait mal là, soignez ça. Tadjoui. Sois ça. Tadjoui, tu ne peux pas couper. Amagan sensé. Si tu coupes ça, ni a sensé. Tu vas mourir, le corps va mourir. Agbazalo enaku. Le corps ne sera plus complet. Agbazalo mansoto blebuba. C'est imposé. Tu es où Edo? Dans où moi na indo? La reine, c'est un sentiment diabolique. La haine vient de l'enfer. On ne doit pas trouver la haine dans l'église. Je m'adonne mon wangbena toi kumé. Tu dois aimer tout le monde. Adonai mwana meleko. Frère, Novi. Écoutez, quelqu'un m'a posé la question. Mais est-ce que ça veut dire que je vais être comme ça? J'ai dit, écoutez. Je t'aime, ça ne veut pas dire que on est à terre ensemble. Non, 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 non. C'est pas ça. Je n'ai rien contre toi. Je suis en paix dans mon cœur avec toi. Si il faut que je fasse quelque chose pour ton bien, je le ferai de tout mon cœur. Je ne ferai rien qui peut te détruire. C'est ça, simple, c'est tout. Evo. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher. Je ne veux pas marcher avec tout le monde. Non. Vous comprenez? Je ne veux pas marcher avec tout le monde. Et Yana, si tu t'approches un peu, c'est
Ils vont te blesser. Pardonnez. Tu fais l'effort pour revenir encore. Finalement, reste à l'écart et donne-lui l'amour là-bas. Donne-lui ça comme ça. Hey, donne-lui ça. De loin. Ils sont comme ça. Et ils ne veulent pas changer. Amen. Amen. Donc, frère, tu ne dois pas haïr ton frère. Si tu es ton frère, la Bible dit que tu es un meurtrier. La Bible est claire. Avoir de la répugnance, de la haine pour son frère. C'est être un meurtrier. Nous ne devons avoir aucun sentiment de répugnance envers notre frère, même dans notre cœur. Rapidement, 1 Jean 2, verset 9. Jean nous contenta et 11. Qu'il est dans la lumière. Oui. Mais et la lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Celui qui dit qu'il est en Jésus-Christ. Et qui est son frère. Et qui est son frère. Est encore dans les ténèbres. Est encore dans les ténèbres. Tes yeux ne sont pas encore ouverts. Tu es encore dans l'obscurité. Si tu as un grain de haine dans ton cœur. Envers ton prochain. Pour n'importe quelle raison, tu es encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Yes. Celui qui aime son frère est vraiment en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a dit amen avec moi. Si tu aimes ton frère, tu es en Christ. Parce que Christ est amour. Christ, il est lumière. Oui. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 3:10-15. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. 1 Jean 3:10-15. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Alléluia. Prenez aussi 1 Jean 3, verset 20. On va avancer. Lisez. Écrivez et lisez. Alléluia. S'il te plaît, pardon. Ne nourris pas la reine. Ne nourris pas la reine. Frère, il y en a qui vont même te pousser à ça, mais ne nourris pas ça. Il y a des gens vraiment détestables, mais ne les déteste pas. Ils sont détestables vraiment. Mais ne les déteste pas. Parce que je dis souvent, je ne vais pas laisser mon frère me pousser sur un terrain que Dieu a défendu. Non. Frère, s'il te plaît, pardon. Il y a des gens qui détestent des provoqueurs. Mais écoute, ne déteste personne. Je ne te laisserai ne pas personne. Me pousser dans ce que Dieu ne veut pas. Autre chose. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas répandre de la calomnie parmi les frères. Nous ne devons pas répandre la calomnie. Tu vas prendre pour l'autre, tu un peu partout. Vous devez dire amen. Frère, vous ne devez pas répandre la calomnie parmi les frères. Celui qui fait ça, il détruit l'harmonie de l'église. C'est un danger.
répandre la calomnie. Prends pour celui-ci, allez-y là-bas. Et prends pour l'autre là-bas. Allez, la Bible dit quand il n'y a pas de rapporteur, il n'y a pas de querelle. Lévitique 19:16. Vite. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Dis Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Tu ne répandras pas de la calomnie dans ton peuple. Amen. Parmi ton peuple. Calomnier. C'est quoi? C'est dire du mal des gens dans le dos. Eh ben, il doit tomber si condom mais l'ego a notre dos mais nous mais l'ancien on ira quand on doit tomber. Mais nous dotons nous dotons mais nous dotons nous tombons tout tomber. Celui qui répand la calomnie ne dit jamais devant la personne. C'est dingue, toi, il va dire ça. Frère, avant ça me dérange. Mais Dieu m'a pris une nuit. Et il m'a fasciné pire. C'est fini. Frère, prends micro. Non, micro. Monte en haut là-bas. Dis ça bien. Tu verras que je serai en train d'aller. Je serai en train d'aller prêler. Parce que souvent, c'est les gens qui ne veulent rien faire. Et ils sont derrière les gens. Frère, ton Godona même. Qui est derrière les gens? Ton Godona mêlé. Avec ta bouche bizarre là. Godona, tu es bizarre là. Qui est derrière les gens? Ton mêlé, Godo. Je n'entends plus Amen. Ma soeur, qui derrière le quelqu'un? Ton Godona mêlé. Frère. Navi. Adikeblo, vous voyez. Ne permets pas. On fait des prières et parfois nous-mêmes, on s'expose à la prière là. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu vas là. Oh, dede kpekpe de na fonso tawe anda wani. Frère, lis-moi Somme 101, verset 5, et je vais finir cette partie-là. Somme 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain. Celui qui calomnie son prochain en secret. Mais non, comment si donne nos ouais ton goto nougle? Je l'anéantirai. Je l'anéantirai. N'a fait soudo. C'est Dieu qui parle. Tu as-tu la malédiction sur ta vie que Dieu a pitié de toi? Celui qui t'entraîne dans ce job, il est en train de t'entraîner sous malédiction. Mais quand tu vas croire que c'est ton ami. Nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Autre chose, nous ne devons pas nous peindre les uns les autres. On s'arrête là, lève-toi sur toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est le type de relation qu'il veut que nous ayons. C'est cette atmosphère qu'il veut dans son église. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lève-toi, balance tes mains. Balance tes mains comme ça. Alléluia. Amen, amen. Et si tu es béni ce matin? Si tu es béni, lève la main, dis Seigneur, je suis béni ce matin. Non, sois sincère. Si tu n'es pas béni, ne fais pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Va vers trois personnes, ne les salue pas. Je t'aime mon frère. Dis-lui que tu l'aimes sincèrement de l'amour de Dieu. Déplace-toi, dis je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, je sais que tout le monde va dire ça pour moi. Tout le monde. Ça là, c'est clair. Moi, je vous aime sincèrement.
Alban, je t'aime sincèrement, sans hypocrisie. Alléluia. Amen. 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 Pour finir, va vers deux personnes. Dis-lui, tu es une partie de moi. Nous sommes dans le même corps. Pas vous les deux là. Hein. Ah, où tu as nous tu es une partie de moi. Nous faisons partie du même corps. C'est ça. Nous faisons partie du même corps. Oui, tu es une partie de moi. Hein, nous faisons partie du même corps. Fabrice, tu es une partie de moi. On fait partie du même corps. Hein? Au nom de Jésus. Amen. Je crois que vous êtes sincères dedans. Hein? Alléluia. Amen. Si nous sommes comme ça, Dieu sera heureux au ciel. Et il fera de grandes choses au milieu de nous. Lève la main. Lève la main comme ça. Tu dis 2021. Dis ça bien à Ad. 2021. Au nom de Jésus. Tu es pour moi. Une année de transition. En cette année, la grâce qui va me faire changer de position viens dans ma vie au nom de Jésus. En cette année, le miracle de ma transition va se passer dans ma vie, dans ma vie spirituelle, dans ma vie sentimentale, dans mes affaires, dans la vie en société. Au nom de Jésus de Nazareth, la rencontre providentielle qui va me faire changer de position aura lieu cette année. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui doit travailler, tout ce qui doit travailler pour me faire passer du niveau où je suis au niveau supérieur, au nom de Jésus, commencez à travailler. Mettez-vous à l'œuvre maintenant. Mettez-vous à l'œuvre maintenant. Mettez-vous à l'œuvre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.